Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour la suite de At the Dead of Night. Donc nous en étions restés là, nous sommes fait attraper par Jimmy le fourbe. Il faut qu'on aille récupérer notre spirit box. Du coup. Qui je crois. Il nous a semblé le voir, non? Hein? Ce jeu, il va me faire, mais alors... Je crois qu'il est encore là. N'est-ce pas? Oui. Je crois qu'il faut qu'on ait récupéré, effectivement, notre outil paranormal. Là ou pas? Il doit être là, je crois. Bon, on entend pas là. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour ce début de semaine, de début de juin. Putain, le temps passe à une allure, c'est un truc de ouf. J'ai le temps de rien voir. Moi, je l'entends plus là. Il est là ou pas? Bon. Alors, pour récupérer, je crois que c'est ici, non? Voilà. Je crois que c'est cette pièce-là quand il nous attrape pour récupérer l'appareil. Voilà. Donc, nous récupérons le Ghost and Receive Voice. C'est quoi qu'il faut aller dans quelle pièce? Je sais plus. C'est là qu'il m'avait attendu en fait, que je ne voyais pas. Et donc c'est là, ouais. Il faut aller dans la 102. Putain, c'est pas celle-là. C'est ici, non? Is anyone there? Is anyone there? C'est pas en cette pièce.
Comme c'est dans ma pièce. Je ne comprends rien, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, attendez, je vais remettre le... un coup de miroir divination. Voir si on trouve un nouvel... l'indice, c'était quoi l'indice? C'était sa chambre? C'était pas dans la 112 qu'elle était? Pourquoi elle serait là? Mais près de l'armure du chevalier? Mais c'est incroyable, il va m'entendre si je fais de la spirit box dehors, moi. C'est qui celui-là? Ça y est, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît maintenant. Mais qu'est-ce que... D'accord, il faut rester dans le couloir. Avec Jimmy qui traîne dans les couloirs, c'est une bonne idée ça? Il va nous entendre. Il est vraiment là en plus. Le fantôme de la petite. Franchement, on va être en stress tout le temps dans ce jeu. C'est peut-être pas spécialement ce dont j'ai besoin. Il est là. Et du coup, lui aussi, il entend le fantôme ou pas? En plus du fantôme qui pleure, il y a le clown qui est ici, quoi. Non mais what? Mais il est là ou pas? Il est trop proche, franchement, pour faire de la Tessie dans le couloir. Hein. Il va nous entendre. Hein. Donc je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller maintenant. Il est là. Ici, il vient de passer. Il repasse. Je crois qu'il est parti là. Hein? Là, il s'en est allé, non, il est parti. Ouais, il est tout proche encore, putain, mais barre-toi! Il est encore là, mais c'est un... Il passe 50 fois devant une pièce.
Normalement, il est censé faire un aller-retour et puis partir aller dans un autre endroit, non? Pourquoi il vient toujours devant la même porte où on se trouve? C'est quand même bizarre, ça. En plus, il va là où je dois aller, moi. Le fantôme de la petite, il a l'armure de chevalier, faut que j'aille là-bas. C'est bon, ils sont étalés là. Semblerait que oui. Non, hop, le son d'ambiance revient. Donc il est toujours dans le, il est toujours dans le coin. Attendez. Il a décidé de pas partir de la sang. Hein. Il est toujours là, hein. Il est à côté là. Il est à gauche, il est sur la gauche, couleur de gauche là. Il reste vraiment là, le gars, quoi. Il sait qu'on est là ou quoi? C'est bizarre. Hein. Il a qu'à venir voir dans la chambre vite fait, et puis après, je vais me planquer un salle de bain, et puis il faut qu'il se tire ailleurs, dans un autre coin de l'hôtel. Incroyable. Parce que moi il faut que je parle, il faut que je communique avec le fantôme dans le couloir. Donc s'il reste dans le coin, il va m'entendre. Il faut qu'il se barre. Je crois que je l'entends marcher encore. Le son d'ambiance est là encore. Je suis désolé, moi, tant que j'entends le bruit de... Il l'appelle, Maya, il l'appelle. Quitter la pièce... Comment je l'appelle? Appeler Jimmy. Donc là, si je fais ça, elle va légèrement ouvrir la porte et l'appeler, non, pour faire un leurre. Croyez-vous qu'il est parti? Faut s'en méfier de cet animal, hein. Moi je ne pense pas. Le son d'ambiance n'est plus là. Donc là il n'y a plus le son d'ambiance déjà. Je crois qu'il est parti là. Là il est parti pour le moment. Hop, mais le son revient là. Non. Pas tout à fait. Si, là ça revient le son là. Oh, putain. Franchement il est pas loin. Il est encore là. Hein. Il me leurre là, il leurre. Bon, à un moment donné, il va falloir y aller quand même. Putain. Mais comment tu veux que je fasse la Tessie dehors dans le couloir avec le zigoto qui se balade là? C'est pas possible. Je crois que c'est bon là. Il faut que je l'enferme dans une il faut que je l'enferme dans une pièce à ce moment-là peut-être. Oh putain, ouais, mais c'est un peu trop tard. Là, il est passé 10 fois devant. Fallait le faire. Attends, c'est la 101. Donc la 101, moi je l'ai le. J'ai la clé de la 101, moi. Oui, mais j'ai ma propre clé, on est d'accord. Bon. Il faudrait que j'arrive à l'enfermer dans ma chambre, autrement.
que ça va être faisable, ça? Croyez-vous que c'est faisable? Et franchement, putain, il est toujours là, le type. Comment on va faire, là? Pour appeler dans le couloir? Je sais pas. Qu'ils viennent dans ma chambre, moi je me planque ici, dès qu'ils passent, sortir, faire ça, quitter la pièce, me retourner et fermer. Ça serait une manip assez chaude à faire, je pense, parce que moi j'ai peur que si je parle dans la box, dans le couloir, je vais l'attirer, il va m'entendre, il va courir vers moi là. Is someone there? J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire là. Franchement, le meilleur de mes divinations me montre l'armure de chevalier dans le couloir. J'y vais, je fais la boxe et y a rien qui se passe. Face à l'armure? Face à l'armure. En tournant le dos au couloir? C'est pas une bonne idée ça. Et en même temps, après, il y a écrit numéro 2 ici. On voit ce nouveau personnage qui apparaît, un monsieur avec une chemise et des bretelles. Et puis après, là, on voit le numéro 2, donc faut peut-être que j'aille le numéro 2 d'abord. On va peut-être faire ça, parce que là, je comprends pas, l'armure de chevalier, ça fonctionne pas. Là, il est loin, non? Il a l'air d'être loin. On va aller au deuxième étage, voir. Dépêche, 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 on va au numéro 2. Je sais pas ce qui se passe. Mais là, tous les coups, il a entendu l'ascenseur. Vous allez voir qu'il va monter avec nous au second étage maintenant. C'est ça que je me dis. Non. Il était où alors? Alors, à droite de la chambre 206 à 216. Et à gauche de la chambre 217 à 223. Donc, on va se fier à la boussole. Ça grésille. Le 217. C'est peut-être ici que ça grésille. Et ça m'en a. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre 217? Who's there? Hello?
C'est pas dans la 217. C'est dans la chambre d'en face. Ici. Nous trouvons la clé du verrou de la chambre 218, très bien. Et autrement, rien d'autre. Pas le bon endroit non plus. C'est pas le bon endroit. Mais où c'est que ça tape? Mais c'est un truc de fou ce jeu. On va devenir psychopathe nous aussi. Bon, Jimmy, t'es resté au premier étage. Non mais what, il est arrivé au deuxième. Il est au deuxième étage, ça y est, il m'a rejoint. Je peux pas me cacher là. C'est fini là. Ouais. C'est terminé. On s'est planqué. Dans le mauvais endroit. On aurait pas dû se mettre dans le magasin. Cette petite fille qui est au premier, bon ça on le sait, mais apparemment il y a un monsieur qui est là au deuxième, un fantôme de ce monsieur là. Mais j'y suis. 217, 218, c'était pas dans les chambres dans lesquelles j'étais là. On est safe dans les magasins aussi. Non, non, ça n'a pas été écrit ça au début, donc. Il est juste là. Oh putain. Il est juste là où je dois enquêter, mais c'est un truc de fou. Il peut pas aller ailleurs. Pas faire d'autres leurres dans un autre endroit de l'hôtel pour aller l'attirer loin de nous en fait. Pas poser des, je sais pas, des choses qui pourraient faire du bruit, du son. Qu'en pensez-vous, il est là ou pas? Je dirais qu'il est parti là, vu qu'il n'y a plus trop le son d'ambiance oppressant derrière là.
Là, j'ai pas d'œil de Judas, je peux pas jeter un œil, je peux pas voir dans le couloir. Si je tombe nez à nez avec lui, on est mal. Le son revient là. Oh, il est juste là. Franchement, il est pas loin. Il est à un détour ou deux du de couloir là. Il est vraiment pas loin. Je vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit dans ce jeu, moi. Il est parti quoi là? Elle peut pas juste entrebâiller la porte comme ça pour jeter un œil, un regard furtif de gauche à droite dans le couloir là? En ouvrant très doucement la porte, on peut pas le faire ça. Je sais pas s'il est là. Franchement, tantôt le son s'en va, mais tantôt il revient, donc il est un peu loin là. Ouais, il est loin là. Allez, on y va. Jimmy, I'm Dr. Bose. I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Bah, j'y étais tout à l'heure dans cette chambre. Vous étiez homme, hein? C'est le docteur. Et bien alors, on y était dans cette chambre de 117. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis en plus, j'ai trouvé la clé, non? Ah non, c'est la 218. Bon, il a pas l'air d'être là. Is anyone there? Hello? On entre en contact avec un esprit, essayer de confirmer son identité. What's your name? Dr. Boots. I'm a clinical psychiatrist. Psychiatrique clinicien. Contact avec le Dr. Boots. Il était dans la chambre 217, lui. Ou alors, c'était Jimmy qui était là, malade. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Les choses qu'il imaginait. I saw the little girl, Amy, holding a toy on fire. What happened? Her hand was burnt quite badly, but Jimmy thought it was all a joke. Ok. I saw the little girl shouting to Jimmy to give her toy back. Why did he take it? I have no idea. It's just the kind of thing he did. C'est incroyable. I saw a girl in the basement crying. Who was she? The daughter of the hotel guest. Jimmy was attached to her. C'était la fille d'un client de l'hôtel, mais il en sait bien des choses, ce Dr. Bowes. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? I don't know. C'est pas ses bouteilles de whisky à lui. Lui, vu que c'est un docteur, j'imagine qu'il faut trouver des trucs de docteur, non? J'ai rien fouillé encore. Comment savoir? Who does the sword belong to? I saw Jimmy playing with it. I thought it was dangerous.
vu Jimmy jouer avec l'épée, je pensais que c'était dangereux. Bah, il s'en est pas servi, j'espère. Sacripant de Jimmy. Who drew those violent pictures? Jimmy. C'est parce qu'il me semblait, c'est Jimmy qui dessinait ses dessins. Et... I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? You'd better ask Jimmy. Non, je vais éviter de lui parler, non? Je vais lui dire, donc comme mon costume frappant à la porte. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Moi, je pensais quoi lui dire, je sais pas moi. La clé de la chambre 218, non, ça c'est pas ça. Peut-être la bouteille de whisky. Peut-être en savoir plus si on lui met le dessin par paire. Les dessins de Jimmy, non? Oui, puisque lui c'est un docteur clinicien, il a dit. On va mettre ça. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes. They suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. Ouais, donc c'était bien ça le lien, ouais. On a bien intuité là. Qu'est-ce qu'on voit là? Il faut retourner au premier étage. Il y a la petite. Il faut retourner au premier étage, donc ouais. Vous êtes là, monsieur? Is anyone there? Il est parti. Le docteur Bowes a vu les dessins de Jimmy. Ok, donc on a obtenu ce qu'on voulait avoir, je crois. Il est parti. Pourquoi on a le 14,5 d'affiché en bas là? C'est quoi ce chiffre? Pour tourner au premier. Visiblement, faut retourner au premier. Bon ben retournons en premier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Je vais regarder un coup peut-être. Sauvegarder la partie en cours. Donc visiblement, faut vraiment aller voir ce qui se passe au niveau de la mur. Hein. J'y étais tout à l'heure, ça a pas voulu fonctionner. Vous avez noté Amy à peur près. Quoi? Is it Amy? Amy a peur près d'une pièce. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? Je l'ai trouvé, moi, le docteur. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? I don't know. Ah oui, ça doit être ça, non? Attends. Tout, objet, apparition de fantôme, connexion, clé,
tout. Ah ouais, d'accord, c'est à nous. J'ai essayé de trouver un docteur, mais Jimmy m'a menacé et m'a fait rester. Ma main a été brûlée. Là, je peux rien lui dire. Observation de paires et d'objets. Ça, je peux rien faire. Je pense qu'il faut que je garde ça et que je remplace... Je l'ai vu, le docteur. Le docteur Booz a vu les dessins de Jimmy. Jimmy a trempé le jouet des mines et Jimmy ne voulait pas écouter. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Non, pas du tout. La térébenthine. Parce qu'il l'a brûlée avec ça. Oui, parce qu'elle s'est brûlée la main, en fait. Oui, voilà. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Pas du tout. Bah pourtant elle s'est brûlée la main, c'était pas par rapport à ça. Bon bah en fait c'est... Il faut mettre ça, ami tenant un jouet en feu. Voilà, ça va être ça. J'ai essayé de trouver un docteur. Voilà. Eh bien, ah oui, mais tu peux pas mettre les deux combinaisons de flashback ensemble, faut mettre un objet avec. Eh mais il faut mettre ça. Ami a peur d'une près d'une pièce. Eh oui. Normalement c'est ça qu'il faut mettre. Ouais, à moins de mettre ça. Who does the sword belong to? Jimmy had it. I didn't like it. Jimmy avait l'épée, je n'aimais pas ça. Eh ben, on a compris. Girl in the basement, c'est pas ça. Dessin violent. Bon, apparemment on a fait le lien, mais c'est quoi la combinaison là? Voilà. J'essaie de trouver un docteur, mais Jimmy m'a menacé, m'a fait rester. Ma main a été brûlée. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Does that have anything to do with what you said about the sword? Yes, he got it out on the wall. It looked really sharp. He made me promise not to tell anyone. And he said he could make my hand stop hurting. Amy? Is someone there? Jimmy pouvait empêcher la main d'Amy de faire mal. What? Avec l'épée? Donc il y avait un lien avec l'épée, visiblement. Is someone there? Bon. Amy, tu m'entends? Who's there? Elle est partie. Bon.
Bon, visiblement, faut retourner à la chambre 112. On est dans la 102 là. Il est revenu au premier niveau. Et apparemment, le magasin, la réserve du premier étage près de l'escalier. Ce serait ça. Je l'entends, mais il est plutôt loin là, non? La 112 a été à droite. Mais putain, il m'attend à chaque fois ici. Mais c'est un truc de ouf. Il est toujours dans ce couloir là à m'attendre. Mais c'est de l'arnaque ça. Et il y a aucun moyen de savoir qu'il est là, puisque là il bouge pas. Donc on voit pas d'ombre, on l'entend pas. Et il sait qu'on est là, il nous attend. Ça fait deux fois qu'il nous assomme au même endroit, quoi. Ça, c'est débile, ça. Ça, c'est vraiment nul, hein. Oh là là. Ça, t'as aucun moyen de le déceler, ça. Qui t'attend au détour d'un couloir. Bah, tu peux pas savoir. C'est bidon, ça. Ça, c'est complètement bidon, hein. Mais il faut que j'aille chercher ma spirit box, je suis désolé. En plus, il fallait que je vienne dans cette pièce. À aucun moment, tu ne peux savoir qui t'attend de pied ferme dans ce couloir. Bah, il a dû nous voir en passant, en fait. Il était dans ce couloir-là, il nous a vu en passant. Mais nous, on le voit pas. C'est quand même bizarre. Comment on pourrait le leurrer, là? Sinon, je vais inspecter les autres chambres. Sauf de voir si on trouve une autre. C'est quoi qui grésille, là? Ben, c'est quelque chose qui grésille ici. Il m'attend toujours dans ce couloir là. Donc je sais pas, je vais aller inspecter un peu les autres chambres, tiens. Si je suis pas venu voir, c'est 117. Oh putain, la 117 est dans le noir. Merde. Il m'a entendu, hein. Cet enfoiros, il m'a entendu. Mais là, il m'a vu rentrer dans la chambre. On va pas lui réchapper.
vous avez trouvé quelques trophées et récompenses. What, il est encore là, quoi. Mais putain, j'ai jamais vu. C'est normal que cette partie, ça soit si tendu là. C'est un truc de ouf. Putain, il est vachement là, il est vachement présent. Je pensais qu'on aurait un peu de liberté quand même à visiter l'hôtel. Il est constamment derrière nous, hein. Constamment. Il est là ou pas? Il a dû partir là. Je crois qu'il est parti. Il est parti là. Celle-ci. La 121 est fermée, les gars. Alors, on trouve le verrou de la 122. Très bien. Et on trouve une vieille pagaie en bois ou un batteur. On peut pas s'en servir pour l'assommer, celui-ci, là. J'ai trouvé une seringue et un flacon médicament diazépam. Ok, bon, c'est pas mal tout ça, non? Caché dans le gardeau. Bon, on aurait tout inspecté ici, visiblement. Hello? Y a-t-il quelqu'un dans la chambre 122? Hello? Is someone there? On est dans la chambre d'en face, non? Je l'entends pas, là. Je l'entends pas. Je dirais pas qu'il est là. Allons dans la 123 voir. Donc l'étiquette magasin, trouver clé magasin. Une boussole, mais on n'a plus besoin, on a déjà une. Bon, très bien, 123. C'est la clé du magasin, là.
Il a pas l'air d'y être. Putain, il était derrière moi! C'est ça les petits pas que j'entendais? Mais c'était vachement court! Ouais, mais franchement. Franchement, c'est bizarre. Parce qu'on va pas pouvoir enquêter et investiguer tranquillement s'il est constamment derrière nous. Hein. Il faut l'enfermer. En fait, il faut l'enfermer. T'es obligé à un moment donné, il faut l'enfermer. Il faut l'attirer et l'enfermer, on n'a pas le choix. On peut pas constamment faire comme si l'éviter quoi. On peut pas tout le temps l'éviter. On peut pas toujours l'éviter, il faut l'enfermer aussi. On est où là? Et il nous remet à chaque fois dans la 107. Putain. Chaque fois, il nous remet dans la 107. Bizarre, ça. Donc moi, du coup, je sais plus ce qu'il faut faire. Bah, il faut l'enfermer quelque part. Et le fait de l'enfermer, bah, on est tranquille. J'imagine, enfin, j'en déduis qu'on serait tranquille pendant un moment. Peut-être. Apparemment, on est à jour, là, au niveau de la petite fille et du docteur Bose. La prochaine étape, c'est... C'est toujours l'histoire de la petite fille. Et c'est la 112, il faut aller dans la 112. Mais la 112, c'est la chambre de la gamine. Ouais, je crois. Il faut que je l'enferme dans une chambre. Et comment faire ? Et j'en viens de là, les gars. Faut aller dans la 112. Moi j'hésite maintenant parce que s'il m'attend au détour d'un couloir, je sais pas qu'il y est donc. Il m'attend toujours dans ce couloir là. Moi j'ai pas envie d'y aller là. Je vais l'attirer au deuxième étage. On va l'attirer au second. Moment. Je vais voir si dans mes jeux de clés j'ai la 112. Genre la 112, non? Est-ce qu'on a la 112? Où elles sont toutes nos clés là? Je ne les vois pas. Voilà. On n'a pas la 112. Ah, mais on n'a pas de 112 en fait. Merde. Donc si on a la 112, on pourra même pas l'enfermer quoi. On l'a vu les 218 je crois. Ouais.
suis allé ici dans la 218. Bon, on l'a fait venir dans le... Vous avez trouvé un vieux radiateur marqué dangereux. On l'a fait venir ici. Malheureusement, il n'y aura pas de clé 219 ici. Franchement, le moindre son, je sais pas si j'entends lui marcher ou pas là. Faudrait retourner au premier du coup maintenant. Elle est dans la 112. Oh, il est loin là. Il est super loin là. Du coup, je vais faire un tour vers la droite là, tiens. La 220, allez. Qu'est-ce qu'il y a dans cette 220? Montrez-moi ça. Bon, la boussole, on l'a déjà. On trouve rien ici. Ok. Vous avez trouvé la clé du verrou de la chambre 220. Vous pourrez l'enfermer dans celle-ci, par exemple. On essaye de le faire. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher, ça? La porte d'en face, ça serait quoi? C'est ouvert, mais c'est sombre, elle va rien vouloir faire là-dedans. C'est super sombre, là je vois rien. Est-ce que je suis venu? Je sais pas ce que je fais là, franchement. 223, non, c'est nouveau, je suis pas venu ici. Une corde de linge et un rouleau de pâtisserie. Vous avez trouvé une corde de linge et un rouleau de pâtisserie? Il est là. Vous avez trouvé une clé étiquette escalier étage 2. C'est dommage qu'on peut pas se défendre avec quelque chose là, avec la pagaie en bois, ou qu'on puisse avoir un truc pour échapper quand même au lieu de se faire. C'est juste là. Il est ici. Hein. Faut que j'aille dans cette chambre en face, là j'y suis pas allé. C'est à 222 ça.
Là, il nous a juste montré le premier étage, la fillette et le docteur Bowser. Il nous a pas montré la chambre 112, alors qu'apparemment, c'est la chambre 112. Vous avez trouvé un album d'articles de journaux. Accusé de psychiatrie, trouvé mort dans sa cellule. Notre miroir de divination. Donc dans la chambre 222, miroir de divination à la chambre 122. Sortir cet enfer, cet endroit maléfique. Je suis dans la 221. Je suis plus sûr de rien. Qu'est-ce qu'on a fait 221, les gars? Je crois pas que j'étais venu ici. Il y a les deux, boussole et miroir de divination. Voilà, il a pas l'air d'être là. Il est derrière moi, vous avez entendu les pas? Moi je les ai entendus. Je les ai entendus les pas. La 112, allez vite. Il est au deuxième pour le moment, vite. Je me suis gouré, c'était pas là. Putain, merde. Son 7. 108. Voilà. 110. Merde, je me suis trompé. C'est pas là. Putain, la 112 est où? C'est là. Bon, on a déjà regardé ici. Ah oui, les bouteilles de whisky, tout ça, oui, voilà. Ah ben oui, voilà, c'est la chambre de la petite. Donc c'est là qu'on voulait. Amy, tu es là? Vous avez noté quoi, Amy?
Is it Amy? Amy buvant quelque chose d'horrible. I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? The boy told me it was medicine. J'étais rébentine, il lui a fait boire, l'enfoiré. Le goût était horrible. C'était quoi? Du whisky! Il lui a fait boire le whisky, cet enfoiré. Attends. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Maybe. She told me to keep drinking it. It was horrible. But then I started to feel strange. Je cherche pas, c'est ça. Amy est partie là. Is someone there? Oh là là, ça y est, il faut monter au troisième étage maintenant. Il nous montre à chaque fois maintenant, c'est le magasin là, de Jimmy. C'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'il est dans cet étage là. Jimmy. Je vais faire ces chambres là que je... Putain, la 115 est fermée. La 114 c'est dans le noir aussi, laisse tomber. La 120. Je suis pas allé dans la 120 non plus. Il y a rien dans la 120, d'accord. Bon, cet hôtel est vide. Hein. Où sont mes amis? Où sont les amis de Maya? On sait pas. Hein. C'est quand même très étrange. Hein. Regardez par la fenêtre. Et une autre pièce débarras. Dans laquelle on n'a aucune interaction possible. La 119 sont à droite là, attention. Hein. Juste en face du débarras du premier étage, oui. Vous avez trouvé un vieux tissu couvert de taches de sang. Et une toque de cuisinier. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tout ça? Faut lui demander tout ça au fantôme. La 118 elle est dans le noir aussi.
faire du bruit si je fais ça. Il va m'entendre. Il faut aller dans les chiottes. Putain! Mais ouais, mais moi je sais pas! Franchement, on l'entend pas. Et puis il y a des lampes qui grésillent, on est censé s'orienter pour voir des apparitions, on voit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est pénible! C'est pas clair cette histoire! C'est pas clair! On est tout seul. Là, cette fois-ci, on l'a pas entendu qu'il était à cet étage-là. Hein. Pas du tout. Hein. C'est pas bien ficelé, quand même. Pas très bien ficelé. Hein. Pas très bien ficelé, ça, monsieur Baggy Cat. Puis j'ai un toilette qui grésille. Je me mets devant. Y a rien qui apparaît. Y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Bon, on va aller au troisième étage. Peut-être que ça marchera cette fois-ci. Jimmy défend fermement le chiotte, hein, donc je sais pas. Même le fantôme peut pas apparaître, pourtant ça grésille. Long troisième étage, moi je sais pas, c'est ce qu'il dit. C'est pas très très clair tout ça quand même. C'est la première fois qu'on vient en troisième étage. 301, 307 à droite, 308, 309. Faut aller où là? C'est de plus en plus sombre, hein, ça craint, non? La 301. Je ne sais pas, je vais dans la 301 voir. J'ai trouvé quelques miroirs muraux cassés. D'accord. Dans le noir, c'est pas du tout celle-ci. Celle-ci plonge dans le noir également. Et décidément, seulement des portes fermées, mais il y a pas mal de portes également. Ils sont dans le noir. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il faut surtout pas venir ici, c'est un piège. Hein. Il est là. 309. Vous avez trouvé la clé du verrou de la chambre 309. J'ai trouvé une note écrite, la main qui dit goodbye. Il est déjà là, lui.
comment ça se fait qu'il sait que je suis ici? Non, mais c'est direct, il est arrivé direct dans le troisième étage. Il déboule au fond du couloir, dans la chambre où je suis. Non mais quoi? J'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses dans ce jeu, mais bon, quand même. C'est très étrange, un hôtel, il est grand quoi, des chambres, je sais pas combien il y en a. Pourquoi il va là où je suis? Qui c'est qui chante là? Franchement, là, ce que je vois dans le miroir d'illumination, je comprends pas grand-chose. Là, il me dit de retourner au premier. Et pourquoi? Quand je veux y aller dans les toilettes, c'est pas possible. Il y a rien qui apparaît, puis le clown arrive, il m'assomme. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose. On va regarder de nouveau. C'est trop tôt pour utiliser le miroir à nouveau. Ah, merde, on peut pas en abuser. Moi je dis, Jamie, il sait où je suis, hein. Il est à mes trousses, grave quoi. Il sait dans quelle chambre, dans quel niveau je me rends quoi. Il m'a mis un GPS au cul, j'en sais rien. Et là de nouveau je revois la petite fille, c'est même plus le docteur Booze. Mais what, si le miroir d'illumination nous dit 50 messages en même temps, ça va être compliqué. Non, non, on revoit le même truc. Mais c'est quoi cette vue là, j'arrive pas à voir. Jimmy dans cet étage, hein, donc. Par contre, je ne l'entends plus avec le fantôme qui fredonne là. Pour l'entendre arriver, ça va être compliqué. Il a pas l'air d'être là. On va aller dans la chambre d'en face. Il est venu ici, quoi. Tout de suite. La 308. J'ai trouvé une bobine de fil de cuivre. Je sais pas s'il est là, on sait pas. Là on sait rien du tout. On n'entend pas, on entend juste le fredonnement du fantôme là. Je sais pas si c'était lui là, j'en sais rien. Je crois que c'était lui, ouais. Je crois que c'était lui, mais il était planqué là-bas, il nous attendait quoi. J'ai pas la clé de ces chambres, moi, je peux pas l'enfermer dedans. Comment on va faire pour sortir de là? C'est une impasse en plus, là. Oh putain!
La 308. J'ai la clé à 3... Je pouvais pas aller dans la 309, non, il a fallu que j'aille dans la 308. J'ai la clé à la 309, mais pas celle de la 308. Mais je vais celle d'en face, à la rigueur. Putain, il était où? Il était où? Mais où? Où est-ce qu'il était? On l'a vu à aucun moment. J'ai vraiment pas habitude ce genre de jeu. Puis la mécanique est complètement en faveur du... Complètement en faveur du protagoniste, quoi. Je sais pas. Et la cuisine, il n'y avait pas quelque chose à faire dans la cuisine? Mais il n'y avait pas quelque chose à faire dans cette cuisine, j'y suis pas retourné moi depuis. Attendez, on va retourner dans la cuisine voir. Chercher l'appareil dans le... Ah merde, c'est vrai le magasin, oh, putain j'ai oublié. Oh le con. Ah oui, bon attends. Il faut aller chercher le... La spirit box. Bah dis donc, ils m'ont rattrapé quelques fois. Ouais, mais c'est pas bien clair la façon dont ils vous attrapent. Je trouve qu'il y a un gros désavantage. Il faut pas faire quelque chose ici. Pourquoi dans un des songes du miroir divination ça nous montre cet endroit? Bizarre. Très étrange. Hein. Très étrange. Retourner à la cuisine. Si j'ai pas retourné depuis dans cette cuisine. Hello? Hello? Il n'y a rien dans la cuisine. Ah bon? Soi-disant qu'on devait normalement repérer une entité dans cet endroit. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans la cuisine. Bon. On peut pas partir maintenant parce que moi je... Je commence à avoir ma douce de cet hôtel de l'enfer.
Donc c'était quoi? Au troisième étage. Oui, ben, j'ai toujours pas découvert ce qu'il fallait faire au troisième étage. Donc. Oui, parce que je me suis fait choper au troisième étage. Donc. Je me suis fait attraper au troisième étage. Une énième fois. J'aimerais savoir où est-ce qu'on entend ce fantôme qui fredonne. Apparemment, c'est à droite là. Mais il y a une ombre là-bas. Noté mis dans les escaliers. D'accord, et je suis censé faire quoi maintenant? Pas très très clair tout ça, moi je le comprends pas trop. Forme, même les cages d'escalier. Mais j'ai les clés pourtant de ça, moi, non? Ce qui me fait curieux. Faut retourner au premier étage, mais au premier étage où ça? Pourquoi? Peut-être qu'il faut prendre l'escalier à partir du niveau 1. C'est qui cet escalier niveau 1 là? Ah non, mais il est au rez-de-chaussée en fait. Ah oui. On peut prendre l'escalier à partir du rez-de-chaussée. Tant pis. Je vais faire un boucan dans cet hôtel, moi, avec les cloches, les ascenseurs, les machins. Tu m'étonnes que là, t'es tout le temps à tes trousses. Là, par contre, ça fait un petit moment, je sais pas où il est. C'est bizarre, on l'entend plus ni rien. Qu'est-ce qu'il fait là?
Faut prendre, passer par ici peut-être et monter. Voilà. Là où était la... Là on est safe. Apparemment dans les cages d'escalier on est safe. Il peut pas venir jusqu'à nous ici. Parce qu'il peut pas se cacher là. Et d'ailleurs si on fait ça, regardez, toutes les portes à partir du niveau 1 sont fermées. Voilà. Il a verrouillé toutes les portes des cages d'escalier à partir du premier niveau. Il n'y a que au rez-de-chaussée que... qu'on peut ouvrir la porte pour monter ou descendre au sous-sol. Mais là, à part, là, deuxième, là, on est au second niveau. Donc c'est fermé aussi. Voilà, et là, on a vu la petite fille, elle était là. Hein. Oui. Amy, elle était ici. Hein. Is someone there? Hello? Coucou, Amy. Is it Amy? Yeah, it's me. Ouais. Elle jouait partout dans l'hôtel, elle, hein, Amy. Hein. Elle était dans tous les niveaux. I saw you at the top of the stairs, on the banister. What were you doing? Non, non, Amy, t'en vas pas. J'ai bien des choses à te dire. Dans le Ghost in Spirit, voice received. Is anyone there? Ah, elle est partie. Et pourquoi tu voulais sauter? Is anyone there? Is anyone there? Ah, elle est partie. Retourner au premier étage. Je peux pas avoir les clés pour ouvrir ces... Mais attends, mais j'avais... Mais j'ai les clés de ça, moi. Non? Clés de chambre. Attendez, mais regardez. On a bien des clés de ça. La clé... De... Ah non, c'est les clés de magasin que je trouve. Non, non, mais on trouve... Non, non, on ne trouve pas que les clés de magasin. Attendez. Non, non, j'ai trouvé autre chose que ça, moi. Où sont toutes les clés que j'ai trouvées là? Attends. Les clés d'escalier et tout, j'en ai trouvé des clés d'escalier. Oh la vache, j'ai un chien qui aboie dehors, alors là ça me fait stresser, le moindre bruit. Mais où sont toutes mes clés d'escalier? Mais il manque des clés là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais je crois qu'il m'a volé mes clés! Oh putain! Il me vole aussi les clés, le... Le fourbe! Mais oui! Il m'a repris les clés! C'est pour ça peut-être que je le vois plus des masses là, parce qu'il doit faire le tour des chambres pour remettre les clés en place, dans les clés que j'ai pris. Oh non! What? Ils ont fait ça! Lol! Mais c'est vrai! Regardez, j'ai plus que ça comme clé. J'ai la clé de la 309 et la clé du magasin. Il m'a pris toutes les autres clés. Merde. Ah, c'est pour ça. Oh putain, c'est pour ça. Ah ouais, mais il prend pas seulement que le Spirit and Voice Received. Il reprend les clés que vous avez pris pour les remettre dans les chambres. Oh l'enfant. C'est moi ou il y a une lumière qui clignote en bas là?
La petite, elle a vraiment sauté. Mais what? C'est pas possible. Is it Amy? Pourquoi t'as fait ça, Amy, voyons? I saw you lying at the bottom of the stairs. What happened to you? I jumped, but then it all went dark and I couldn't wake up. I can't wake up anymore. I don't know where I am. Oh, c'est triste. Une triste histoire. Vous avez terminé l'histoire d'Amy. Elle s'est suicidée, la petite. Oh là là, quelle tragédie. Oh mais non. Docteur Moose n'avait pas de réponse. Il faut refaire toutes tes chambres que j'ai déjà ouvertes au préalable pour récupérer les clés que Jimmy a remis en place. Non mais what? J'ai peur que ça soit ça. Ben, il faudrait que je retrouve les clés des cages d'escalier, moi, pour pouvoir me réfugier dedans. Oh, j'aurais dû noter les chambres où j'ai trouvé ça. Oh là là. Oh, je sais pas. Is someone there? Amy? Amy, tu es là? Parle-moi. Who's there? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Je crois qu'il va falloir que je rouvre toutes les pièces de tous les des trois niveaux pour trouver les clés des cages, au moins des cages d'escalier, mais même les clés que j'ai pris pour fermer les portes de verrou. Parce que ça peut me servir de l'enfermer, quoi. Bon, on va arrêter là pour ce second épisode, les gens. Je vais devoir me préparer pour repartir. N'hésitez pas à mettre un pouce à votre convenance, de la couleur que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Laissez un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et si vous avez envie de vous faire une petite frayeur et de comprendre un peu ce désavantage de notre traversée de ce jeu complètement en défaveur de l'ordinateur, de l'ennemi qui nous traque, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos avis. Ça peut m'intéresser. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et sinon, autrement, bonne journée. À bientôt, bye.